Salut tout le monde, c'est Maudine Crime. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur Call of Duty Black Ops 2 sur la map Mob of the Dead. Donc voilà les amis, il vous suffira de vous diriger vers l'infirmerie, de vous mettre sur cette première marche et de vous faire exploser avec une grenade. Et une fois que vous aurez fait exploser avec une grenade, en fait il faudra dire à votre ami de vous réanimer ou votre fantôme, peu importe. Et une fois cela réalisé, il faudra plonger, en fait courir et plonger, attendre la prochaine manche qu'elle passe pour que vous ayez un autre trépasse. Et vous devrez vous ressusciter une deuxième fois pour que vous puissiez en fait vous remettre debout dans les marches. Mais par contre, une fois que vous êtes en trépasse, il faudra courir avec votre fantôme, aller le plus vite possible pour que en fait le glitch fonctionne. Donc une fois qu'en fait vous avez Wellbrecht dans les escaliers, en fait il faudra attendre que un zombie passe au bon moment en fait pour que vous puissiez avancer en fait dans le sol au niveau de l'infirmerie. Et une fois qu'en fait que vous serez passé en fait, parce que là je suis pas encore passé, j'ai un peu galéré en fait à passer, mais c'est un coup à prendre en fait hein. Dit qu'en fait vous allez passer dans les marches de l'infirmerie, en fait il faudra dire à votre ami qui se place derrière vous pour que en fait il va effectuer plusieurs sauts pour que vous puissiez en fait vous avancer dans le sol et qu'il vous débloque en fait pour que vous puissiez aller jusqu'au bout. Et en fait dit que cela sera réalisé, en fait et ben en fait après il faudra attendre que un zombie passe à côté de vous et que vous faites un commando. Là comme vous voyez en fait là j'ai réussi à me débloquer et là il faut effectuer un commando pour que vous puissiez complètement Wellbrecht de l'autre côté de la cellule. En fait vous allez vous retrouver au niveau du Uzi de l'autre côté où il y a le chien à gauche, et comme vous pouvez voir cela va créer ce qui s'appelle vraiment une énorme barrière d'invincibilité hein. Franchement ce glitch il est vraiment épique, je vous le conseille fortement. Et si vous rentrez vraiment avec des bonnes armes, vous pouvez faire vraiment des hautes manches. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, parce que moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous la présenter. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, cela fait toujours plaisir. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Ciao, bye les amis.